C'est parti pour le shot du Pécos. Alors là, grande shoot du Pécos avec Fratel Contador qui a bousillé d'ailleurs le modèle de ce produit. Alors, Fernando du Pécos, la mer, on retrouve cette formidable origine de Family, Frisson, Fidelio, Flax, Tamons, enfin bon, l'extraordinaire origine de. Du Pécos. Et là, on a aussi l'un des meilleurs pedigrés de l'Anglo-Armée actuelle. Pourquoi? Parce que ce fils de Raclaine Pontadour n'est autre que la sœur de l'excellente Françoise du Pécos, lauréate du Grand Prix des Anglos à Saint-Cloud. On va marcher, s'il vous plaît. On peut marcher, ouais. Et puis, Foxy du Pécos, peut-être aussi, hein. Foxy du Pécos, le 4 ans, Gnome, s'est imposé depuis l'apparition du catalogue dans le Grand Prix à Vichy cet été. Et puis aussi, il vient de terminer, il y a quelques jours, 3e du Grand Prix des Anglo-Arabes à Saint-Cloud. Donc, l'origine archi-solide du Pécos, c'est une origine on ne peut plus vivante, car Falador du Pécos, sa mère, après Fairfax, qui était déjà un grand cheval, a fait donc cette championne Framboise du Pécos dans un manchot. Et a fait aussi Foxy du Pécos, le 4 ans, qui est d'ores et déjà un classique et qui a encore une belle saison de course à venir. Il a l'arrière-saison et puis une belle saison de course à faire en 5 ans en plat. Pourquoi pas après passer sur le dossier. Donc le Ragtime Contador, il est ici. Il s'appelle Femme du Pécos, c'est le numéro 32. Il est présenté par Patrick Dalzac, avec donc le label du Ragtime Contador. Très très signé de son père, Ragtime Pontadour.